J'ai plusieurs filles qui viennent me demander justement comment on fait pour devenir chauffeur, tout ça. Donc je leur explique et je leur dis mais fonce, c'est le plus beau métier du monde. Tu vois tout, en plus tu t'amélioreras dans ta vie, tu prendras confiance en toi. Et non, fonce, écoute pas ce que les hommes ils disent, comme quoi tu n'es pas capable. Tout le monde est capable de le faire. Donc vas-y, quand tu veux. Mon meilleur souvenir, c'est quand je montais sur les pistes avec la toupie. Ouais, quand je fais les pistes de ski, qu'on vidait à l'hélicoptère le béton. Ah, c'était magnifique, c'est très très beau à voir. Et puis monter sur les pistes en camion, pas tout le monde le fait. Et moi, j'ai eu la chance de le faire et j'ai adoré ça. Franchement, c'était génial. J'ai un CAP peintre en bâtiment, de base. Après, je suis partie en vente à Conforama. Donc, je vendais des meubles. Et puis, sur un coup de tête, je me suis dit, allez, je vais passer mes poids lourds. Vu que tout dans ma famille, on est tous routiers. Et du coup, j'ai passé mes poids lourds. Et puis, un patron m'a embauché tout de suite en CDI. Et après, eh ben roule. Là, j'ai changé de patron. Je suis déjà nouveau depuis 2 ans. Et du coup, donc me voilà en benne. Et je fais aussi un peu de toupie de béton, tout ça. Et j'ai fait du camion-remorque aussi. J'aime ce métier, c'est quand même la liberté. On fait ce qu'on veut. On peut... On a des très bons véhicules maintenant, de nos jours. Donc c'est génial, et puis j'adore les chantiers, donc on voit des gens différents, les chantiers différents, la route est souvent différente aussi. Après, on retrouve les copains sur la route, donc c'est cool. C'est cool. Maintenant, j'adore ma solitude. J'aime pas trop être entourée, travailler avec d'autres personnes à côté de moi, non. J'ai déjà fait et ça m'intéresse plus. Et après, il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui aiment pas trop. C'est voilà, moi j'adore. J'aime mon côté solitaire et je vis très bien.